Salut les curieux et les mélomanes, et bienvenue sur OST, votre émission dédiée à la musique de jeux vidéo sur Prestart. Retour du côté de chez Nintendo avec une nouvelle composition de Koji Kondo, tirée cette fois-ci de Mario 64. Petit rappel pour les deux du fond, Koji Kondo est le compositeur attitré des sagas Super Mario et Legend of Zelda. Le titre qui nous intéresse aujourd'hui est le thème dédié de Bowser, accompagnant chacun des affrontements entre Mario et son éternel rival. Introduit par trois coups de caisse claire, le morceau démarre par des percussions puissantes, illustrant musicalement les palourdes du roi des Koopas. La mélodie jouée ensuite en boucle dynamise le combat au gré de l'évolution de sa rythmique. Contrairement, par exemple, au premier Super Mario sur NES, où et le stage et le boss utilisaient le même thème musical, Koji Kondo a composé un morceau à part entière consacré au niveau menant Mario jusqu'au combat contre Bowser, sobrement intitulé Bowser Road. Les percussions sont également très travaillées sur ce morceau, montrant à quel point Kondo s'est fait plaisir niveau rythmique en passant sur Nintendo 64. La mélodie principale du thème de Bowser renforce l'identité du personnage en étant jouée par le jeu à chaque fois que ce dernier s'adresse à Mario, incarnant musicalement le personnage et nous rappelant sans cesse qu'il compte bien empêcher le plombier de mener sa quête à bien. Le combat final de Mario 64 se déroule sur un arrangement épique du thème, repris puis transcendé à l'orgue, où l'on ne retrouve par contre aucune percussion, renforçant le côté grandiloquent de ce thème justement nommé Ultimate Bowser. Voilà, cet épisode d'OST est maintenant terminé, j'espère de tout cœur qu'il vous aura plu, et on se quitte en musique avec une petite reprise. À bientôt sur Prestart.